Samurai Deeper Kyo. Voilà, nous y sommes. Eh bien, salut tout le monde, c'était ma pomme Yamé pour un nouveau live. Donc, ce soir, on a voté. Vous avez voté vraiment beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup de GPS. Hein. Donc, je pense que ce soir, si tout va bien, on va se faire beaucoup de jeux PS1. Hein. Donc, hein, c'est comme promis dans les votes, hein, dans les sondages. Donc, on va tout de suite commencer par l'adaptation vidéoludique de Samurai Deeper Kyo. Donc sorti sur PS1, forcément. Alors j'espère que j'aurai pas de soucis de copyright avec cette intro. J'espère vraiment que j'aurai pas de soucis de copyright parce que ça va être chiant sinon. Ça va être vraiment chiant. J'espère pas, peut-être. Voilà voilà. Donc un jeu de combat en 2D qu'on va se faire ici. Donc bon, ils auraient pu mieux faire peut-être. Ils auraient peut-être pu mieux faire l'écran titre, n'est-ce pas? Mais bon. On retrouve vraiment toute la recette du jeu de combat, de toute façon. Un ou deux joueurs, un mode arcade, un menu d'options comme d'habitude, et un combat contre le CPU ou contre un autre joueur, simplement. Alors, question perso, c'est... Je vais pas dire que c'est la misère, mais c'est pas super non plus. Sur Kyo, hein, on peut choisir également une assist qui est reliée à chaque personnage également. Alors voilà. Donc ici on est vraiment dans un arcade mode, tout ce qu'il y a de plus classique hein, dans un jeu de combat. Alors ce soir honnêtement, j'ai beaucoup de jeux PS1 à vous faire. On se finira peut-être sur un Danmaku ou je ne sais quoi. Enfin, faut dire ce qui est, mais j'ai envie de proposer du Danmaku tu vois. Mais disons bien les choses, à chaque fois que j'en propose en vote, c'est toujours eux qui ont le plus faible taux de vote quoi. Alors que c'est un genre que j'adore beaucoup. Alors on me dirait, pourquoi Hades tu proposes Danmaku? C'est que t'aimes bien alors, fais-le, fais-le. Oui mais bon, moi j'ai envie de vos préférences, tout ça. Et voilà, tout simplement. Alors, premier combat. Alors j'espère que ça ira et que ce stream vous plaira. Tout simplement. Alors... Oula, il y a un premier gros souci. Ah, j'ai eu peur. Qu'il n'y ait pas de son ni rien. Alors c'est probable, hein. Des fois qu'il peut y avoir des soucis d'émulation, des trucs comme ça, mais... Là, j'ai quand même peur, quoi. Alors, on peut prendre l'assist comme ça. D'accord. Fais voir. Les commandes. Ok. Ça va, ça se maîtrise bien. Ah, il y a du robot mural. Ça, c'est quand même bien. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, hop, on fait une attaque. Fais voir. Ouh, le finish. Alors ce finish fait vraiment du bien. Eh, hey, il fait vraiment du bien ce finish. Excellent. Vraiment excellent. Allez. Yep. Allez, ça c'est bien. Bon, si vous m'entendez, Master... non, j'allais sortir un gros mot. Si vous m'entendez vraiment frénétiquement appuyé sur la manette, c'est normal. Hein. C'est toujours comme ça. Moi, les jeux de combat... Hop, parfait. On a appelé l'assist trop tard. Non! C'est pas facile ce gameplay, quoi. Il est vraiment pas facile le gameplay du jeu. Oh, ce cas où il était... Pff, il était bof, hein. Il était vachement bof. Mais bon, au moins, on a réussi le combat. C'est le principal. Alors, temps de chargement. Est-ce que c'est long? Non, c'est moyen. Ça va, ça va. Franchement, les temps de chargement, ça va. Alors, c'est bien. Au moins, on a les voix de la série. C'est quand même bien. Alors, pour ceux qui sont déjà là, est-ce que vous connaissez Samurai Deeper Kyo? Est-ce que vous avez une bonne approche dessus? Hop, alors, stage suivant. Stage qui sont quand même vraiment pas mal. Faut se le dire. Ok, alors j'ai pris la personne que j'ai battue en assist. D'accord, d'accord. Intéressant. Alors, allons-y. Hajimet. Oula. Eh, c'est épée contre épée, c'est pas épée contre flingue, ça va pas ça.
Parce qu'il n'y aurait pas un souci d'équilibrage entre les personnages à ce niveau-là, je ne pense pas trop. Peut-être que je me pose vite des questions, hein. C'est probable aussi. Ah, les coups sortent facilement, j'ai remarqué. Salut Sasuke! Les coups, ils sortent facilement, ça c'est bien. Ou plutôt comment je vais, puisque tu es sur le chat, mais moi ça va super bien. Alors Itachi, normalement, doit être en duel avec moi, mais il est parti manger ici. Hop. Alors, on est sur Samurai Deeper Kyo sur PS1, actuellement. La surprise est quand même vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Même si je suis vraiment pas un aficionados des jeux de combat, je trouve que le jeu c'est est vraiment pas mal. Vraiment une très bonne approche pour l'instant. On a remarqué que c'était toujours la même ending, hein, question combat. Ce serait bien de changer un peu. Après, peut-être que je chipote un peu, hein, c'est probable aussi. Hein. Tu chipotes tout le temps. Oh, oh. Et oh. Arrête monsieur, ah. T'as bien mangé mon Mizu? Oui, oui, je viens de revenir là. D'accord, t'as mangé quoi de bon? Alors j'ai mangé un peu de carottes râpées, avec du radis noir. Après j'ai mangé une part de tissu légumes avec du pain et un yaourt. Bien ça. Alors on est sur Samurai Deeper Kyo sur PS1. Est-ce que tu connais Samurai Deeper Kyo? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. C'est... Bah tu verras les images de toute façon. Si on... Je suis en train de charger là. D'accord. Ça va peut-être te dire quelque chose, mais c'est vraiment connu, hein, c'est pour ça. Ah, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on battait quelqu'un, ça devient nous, ça devient notre allié, en fait, durant les combats. C'est vraiment bien. En tout cas, je suis surpris du jeu parce que vraiment, il est excellent. Attends, je suis pratiquement là. Gardez-moi ce décor, là. C'est magnifique. Oh, les musiques aussi, elles sont bien. Donc, j'espère que j'aurai pas de soucis sur l'opening. Alors, c'est pas l'opening de l'anime, hein, c'est vraiment, ils ont fait ça pour le jeu de combat, mais... Ah, non, non, je... Alors, hop, ça, ouais, ça fait regardez. C'est Twitch, hein, vous savez très bien, moi, Twitch... Alors, ça sort tout seul, hein. Mais... Honnêtement, ça sort bien, les finishes, tout ça. Vraiment, je suis surpris du gameplay. Ça me dit quelque chose, mais... Il y en avait un aussi sur GBA, en tant que Beat Zemol, qui était vraiment bien rendu, lui aussi. Tu vois, c'est un manga que je compte faire. Ah ouais, c'est... il est vraiment excellent, Samurai Deeper Kyo. Ouais, mais moi, il me tente pas, personnellement. Ah bon? Il m'a jamais tenté. Ouais, jamais tenté. Ah, je te le conseille. Je te conseille vraiment, Manu. Allez. T'as une essaye. Hop. Oui, ça sort tout seul. Faut juste appuyer sur carré et croix en même temps, avec une petite direction, et ça sort tout seul. Salut, Wayne. Coucou, Wayne. Ah, vous voyez que les combats, les combos sortent vraiment bien. On peut appeler son allié quand on veut avec une gâchette de direction. Donc soit L, soit R. Hop. Regardez, hop. Attends, je réponds juste à quelqu'un et je suis à toi. Et voilà. Quand vous finissez quelqu'un comme ça, vous avez une petite ending et ça rend vraiment bien. C'est parfait. Bien étonné. Bien étonné du soft. Attends, c'est toi dans tel que le don d'Adèle, ça t'inquiète pas. Et coucou Brice. Coucou Brice. Lady, avant toi, Lady, avant toi. Donc il va devenir notre allié théoriquement. Alors normalement ça devrait aller pour le monde, j'ai prévenu sur YouTube. Maintenant entre chaque live et, je pense faire ça. Ouais. Et voilà, mais... Bon après on pense à tous ceux qui ne peuvent pas malheureusement parce que Twitch demande beaucoup d'autres. Oui, bah en même temps j'ai envie de dire, là, en 7 heures, beaucoup de gens mangent. C'est la semaine de l'école, de travail, hein. Donc nous on vous dit bon courage à vous. Ah, mais si vous êtes malade et que vous n'allez pas aller à l'école le lendemain, pensez à vous faire une petite tête ici. Comment tu vas Brice? Alors théoriquement ça va devenir notre allié, voilà voilà. Alors j'ai vu les attaques partenaires étaient vraiment bien avec lui, donc on va essayer de tester ça. Voilà, attends, hop. Ah ouais. Ah, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, Brice, parce que les devs YouTube, j'ai toujours essayé de les faire, mais ça a jamais marché. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, quand même.
Si je me rappelle bien, c'est... Bah, c'est disons que... Disons que j'étais... Je suis dans le studio, hein. Des fois, ça ne voulait pas... comment dire ça? Comment sa diffusion ne s'affichait même pas. Je ne savais même pas pourquoi. Et l'état du flux, généralement, il était mauvais, quoi. J'ai jamais compris pourquoi. Alors qu'ici, quoi, je suis en 2250 bitrate, c'est quand même un truc assez énorme. Et, bah, disons que sur Twitch, bah, ça va. YouTube, c'est vraiment le souci du studio, je sais pas pourquoi. Mais ils sont cons, Micromania. Ah. Ils sont vraiment cons, Micromania. Quoi? Parce que, tu vois, j'avais précommandé, déjà à la base, un Pokémon Lune, d'accord? Dans forme normale, hein. Et voilà. Bon, il m'envoie dire qu'elle sera disponible vendredi. Mais j'avais pris le vendeur à Micromania, il m'avait dit qu'il avait annulé cette réservation là parce que j'avais commandé l'édition de fan, Steelbook et tout ça. Et bah là il m'envoie un message à 19h14 Micromania pour dire votre édition, bah l'édition de base normale est disponible le 18. Et là il m'envoie un message à 20h. Je me suis dit la même chose. Ils me disent votre Pokémon Lune Fan Edition sur 3DS sera disponible le 18. Faut savoir. Donc en fait je peux acheter deux Pokémon mais je pourrais m'en payer qu'un moi. Lol. Deux Pokémon pour Itachi, tu m'en donnes un. Oui mais tu m'avances l'argent. Mais non, non, jamais. J'ai fait une avance de 10€, voilà quoi, mais. D'accord. Surtout, acheter deux Pokémon Lune, excuse-moi, c'est un peu con quand même, hein, honnêtement. À part si je voulais l'offrir, ce que je pourrais faire, d'ailleurs. Donc mon Menzu, hein, il va commencer un let's play incessamment sous peu, n'est-ce pas? Non, malheureusement, j'ai pas le matériel pour. Malheureusement. Ah, si, tu as ton portable, tu filmes, voilà. Ce sera toujours mieux que les gens qui sortent en avance avec des émulateurs vraiment dégueulasses. Attends, toi, t'auras fait un unboxing de la Nyan Bot. Oh, pardon. Vous savez, les gars, aujourd'hui, on a découvert un truc vraiment magnifique. Bon, autant, t'as des gens... Ils font le jeu à l'avance, tout ça, bon, t'en as des centaines, et puis, je veux dire, sur les une, c'est pas un cas isolé. Mais vous savez qu'il y a des gens, ils volent des vidéos, ils volent des let's play des autres, et ils foutent une caméra derrière, tout ça, par prétexte qu'on va pas aller voir. C'est dingue, quoi. Non, ça c'est dégueulasse, que ça soit Pokémon ou autre, d'ailleurs. C'est dégueulasse de faire ça, c'est pute, mais un truc. Rappelle-toi d'une chose, c'est ce que Vincent disait, d'ailleurs. C'était lui, c'était pour un de ses tournois sur Mario, je crois. Rappelle-toi. Oui. Il nous avait dit qu'il avait un mec, je crois que c'était Mario, je crois d'ailleurs. Il nous avait dit qu'un mec avait participé. Voilà, et qu'il avait oublié de retirer le nom du mec, donc Vincent a pu voir qui c'était. Ouais, sur Street Fighter 2 à l'époque aussi, il y a des mecs, voilà. C'était horrible. Hein. Et les gars, mais ils savent même pas s'amuser de ça, je sais pas. Ils se compliquent la vie pour rien. Parce que YouTube, pour ma part, c'est faire des vidéos, c'est partager sa passion, etc., etc. Et t'en as, mais je sais pas, ils volent des vidéos, ils veulent avoir la plus grosse, ils respectent même pas les chartes des droits d'auteur, ni rien, c'est quand même aberrant, quoi. Voilà. Moi, quand je vais, pardon, je vais dire, pour sortir la badette, je me mets tout le temps, ça, rappelle-toi. Mais quand je vais sur les lacs de Brice, par exemple, moi, je sais que, avec le commentaire, Brice, qui est drôle aussi, voilà, avec le classe, on s'amuse. Ouais. Ah oui, même t'en as aujourd'hui dans les commentaires. Allez, Pokémon Lune, je vous jure, hein, t'as des gars, ils volent des vidéos maintenant. C'est un truc de dingue. Et ce gars-là, qui... Je vais même vous donner en gros son pseudo, c'est Oupa. Vous cherchez sur YouTube. Le gars, il t'a piqué des vidéos des gens, en prétextant let's play. Hein. Après, il stream sa gueule à la caméra, il l'incruste, il pense qu'on va pas le voir. Enfin bref. Il t'a mis carrément le film 19 de Pokémon. Il t'a volé les Pokémon Génération, il t'a volé des AMV de gens, et c'est en moins d'un mois, il a rempli sa chaîne que de ça. C'est malade de faire ça, c'est horrible. T'as pas dit qu'il a fait aussi? T'as pas dit qu'il a fait? Tu nous l'avais dit, il a fait. Il a pris les trailers de Nintendo, il l'a posté. Ah oui, oui, ça, mon dieu. Et après, il a fait une analyse trailer, en découpant chaque morceau. Bien sûr, on prend le temps. C'est dingue, hein. Voilà, alors que ce qu'il aurait fait comme Tidei a fait pour Tenoma, ouais, voilà, ce qu'il aurait fait pour Pokémon. Tu vois, sauf qu'il a complètement copié le layout, quoi. Totalement. Voilà. Et ce qu'il aurait fait, pendant comme Pyrus pour Pokémon ou Tidei pour Tenoma, faire en sorte de prendre le trailer, de couper les moments importants, et le poster avec une analyse trailer. Ça, c'est mieux, regardez, ça. Regardez, je vais vous prouver que c'est pas du vol, ce que je fais. Je me fais défoncer ma race.
Voilà. Non mais franchement, faut pas avoir d'honneur pour voler des vidéos YouTube et autres. Faut pas avoir d'honneur, mais c'est un truc de malade. En plus, on fait ça pour s'amuser, nous. Ah oui, ça sert à quoi de prouver « Oh, j'ai la plus grosse, tout ça ?» Bon, ok, t'en as, ils vont peut-être me dire « Ah, voilà, tu fais des super plays maintenant, tout ça. Ah, » j'ai envie de dire, les gars, quand je dis super play, c'est justement pour les shoot'em up. Ah ouais, quand même, oui. Moi, let's play, en prétextant shoot'em up, bah moi j'aime bien dire super play parce que bon, les shoot'em up, genre les Thunder Force, tout ça, c'est des jeux, il faut quand même savoir les finir, tu vois. Donc pour ma part, je rajoute le petit truc en plus, super play, je trouve que ça va bien avec les shoot'em up, tu vois. Parce que, bon, autant se dire ce qui est, pour finir un shoot'em up, c'est des jeux à skill. Un étagé. Mmh. Et oui, moi j'aime bien rajouter ça pour pas trop mettre dans la playlist let's play, pour pas trop mélanger. J'ai surtout mis super play pour pas mélanger avec let's play quoi. Voilà voilà. Et que en termes général quand tu finis shoot'em up, et ben vraiment, moi j'appelle ça super play quoi. Honnêtement, moi j'aime bien, vrai, moi je trouve ça stylé. C'est vrai, j'avais ça t'entendre, mais maintenant tu le dis, tu annonces, tu dis pas let's play pour tes shoot'em up, mais tu dis super play. Oui. J'ai perdu ma chaîne en plein YouTube. Oula, ah ouais. Bah, oui, moi je trouve ça plus stylé pour des shoot'em up, tu vois. Oui, j'avais jamais fait très attention à toi. Jamais de mon âme, je vais voler une vidéo où shoot'em up n'est rien, quoi. Moi, j'ai grandi avec quoi? J'ai grandi avec beaucoup de shoot'em up. Je suis tombé, sur Radiant Silvergun assez tôt. Un jeu sur Saturn qui est juste magnifique. Je suis tombé sur plein de bons shoot'em up. J'ai grandi avec et moi, ça a toujours été mon dada. Et moi, je suis content de vous le proposer. Voilà, ah oui. Quoi, mon premier shoot'em up, j'ai touché à quel âge? J'avais quoi, 5 ans? Bon, en même temps, je 5... Je crois que c'est pas un Thunder Force, j'avais fini sans mourir. Moi, j'avais fait Thunder Force 4 sans mourir, oui. Le bon, voilà, 5, je suis mort quelques fois, je pense. Le Thunder Force 5 que j'avais fini, c'était le seul jeu que j'ai vraiment filmé sur ma console, quoi, sur mon PS1. On voyait même un peu les filtres cathodiques. ah ouais, quand même. Ah oui, non, t'as raison, Brice. De quoi? Attends. Le mec m'a dit, c'est pas à toi, c'est à Nintendo, je te signale. Quel FDP, ma gueule, du coup. Je suis super prudent. Ouais, putain, t'as raison. Ah ouais, t'as bien raison. Non, mais... Ouais. Ah oui. Mais c'est pour ça, Vincent, c'est pareil. Il a eu là, sur sa session de Mario Kart, il avait filmé avec nous. Oui, j'ai vu le nom de... 21 droits d'auteur. Plus 21. De 21. C'est horrible. Et je lui dis à Vincent, regarde si c'est pas tenu tes notes, tu sais, parce que des fois il a des gens même, qui... Faut même pas qu'il pense à essayer de contester là. 21 non, lui... au cul là. Non, parce que je lui dis à Vincent, je lui dis, regarde si c'est pas tenu tes notes, parce que vous savez, des fois on a des droits d'auteur, enfin, des signalements, des droits d'auteur, alors que c'est pas c'est de la des gens qui sont pas les titulaires des droits d'auteur quoi. Voilà, alors il a regardé et c'est tenu tes notes là. Ouais, même pour la démo, tu commences à flipper ta race quoi. Parce que bon, qu'est-ce qu'il gère? Bon, il y a Game Freak, mais c'est surtout quoi? C'est Nintendo qui gère aussi, quoi. Ah oui, Mario Kart, oui, tu vois, généralement, c'est sûr que c'est la place. Je pensais pas que c'était aussi dur en droit d'auteur, honnêtement. Ouais. Ah, je trouve que Konami, ils sont certes durs en droit d'auteur, mais j'ai l'impression que... Putain, mais il va arrêter, lui. Mais Nintendo, j'ai l'impression qu'il les rattrape, quoi. C'est un truc de Nintendo, ils sont... Ils sont putes. Pour protéger... Eux, c'est surtout sur leur musique, Nintendo, sur leur musique de jeu phare. Parce que toi, sur Mario 64, j'ai eu que deux épisodes où ils ont dit on paye pour les droits d'auteur, on prend l'argent, c'est ouais, voilà, pour les musiques. Mais c'est que sur deux épisodes, c'est tout. Alors que d'autres, j'ai rien eu, même sur Nintendo 64, j'ai rien eu. Donc je pense que c'est que sur certains... Ah non, mais je pense que Nintendo, c'est que sur toi, certains jeux ciblés, en fait. Mais Mario Kart 8, ouais, c'est sûr. Bon appétit, ça banal, ça se genre, tu vois, Konami, généralement, le jeu qu'il vise le plus, c'est... Castlevania Symphony of the Night. Et les Gradius. Ouais. Il vise beaucoup Gradius. Oui. Bon, Gradius 2, il a failli ne pas passer, hein, d'ailleurs. On super play dessus. Ouais, c'est... Et Metal Gear Solid, eux, ils sont pas durs dessus? Ils sont tatillons aussi. Ah oui, sur Captain Toad aussi, t'as des droits d'auteur? Ah ouais, je pensais pas ça, par contre. Ah ouais, Captain Toad, putain. Non, mais ce qui est bien, Nintendo, c'est qu'ils suppriment pas l'upload, enfin, l'invention. Ils prennent des droits d'auteur, ils prennent de l'argent dessus quand c'est visionné dessus. Ouais. Ça, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est sûr. Mais après, t'en as qui font en genre... Konami,
C'est bien possible que si tu as une contestation de... Enfin, pas une contestation. Souci de droit d'auteur, qu'est-ce qu'ils vont Allez, c'est faire? bon. Ils vont te Ah, ils l'interroger peuvent pour aller plusieurs loin. pays. Ouais. Et Merde. ça c'est chiant. Ça c'est Moi, extrêmement chiant, tu vois. je me rappelle toujours, c'était Kingdom Hearts 2, je crois. C'était là, il avait dû retourner l'intro, le premier épisode, tout en premier épisode avec l'intro, sans le son de l'intro, parce qu'il y avait eu un droit d'auteur de Square Enix qui avait complètement viré le Vous son. Et pouvez pas juste qui... couper le début? Ouais, tout le début, mais il avait dû retourner l'épisode. Mais voilà, et voilà. Bon, moi, Ouais. après, les derniers droits d'auteur que j'ai eu, c'était sur Mario Sanseiya Lost Canvas, parce que j'ai mis des milliers de Sanseiya. C'est selon protégé, mais voilà. Ah non, trois épisodes de Mario, sur une marche BBS, et voilà, c'est tout. Mais bon. Oui, vaut mieux laisser. Bref, faut. Si tu Oh oui. contestes, un strike est si vite arrivé, tu vois. Oh oui. Bah moi, toi, Et sur là, les c'est vidéos, quoi? c'est... Retour à 15 minutes, tout ça, et c'est. Putain, c'est chiant. Et pour aussi, moi, il y Après. a interdit de faire des lives Non. sur YouTube. Pas pendant 6 mois. Plus pendant 6 mois. Maintenant, c'est 2 mois, je pense. Mais ça Ah reste bah, long. parce que Mister Hunter, c'était 6 mois, lui. En même temps. Sortir sur Nentai, c'est assez chaud aussi, hein. Alors, pardon, moi, Excuse-moi. là, sur Mario, c'est le Nintendo, c'est le dit clairement. Sur Sasha Stonevas, c'est des gens qui sont au nom, qui prennent la musique au Je suis nom, pas ben en ça, bon, interfacé j'ai pour rien toi, dit. moi. Et sur Kingdom Hearts, j'ai vu simple Endless Planet Remix, je me dis, ok, j'ai Oui, regardé, j'ai dit, ah, c'est Brice. lui, c'est des Même remix. maintenant, sur les strikes, si t'as un strike vraiment trop sévère, hein, vraiment super sévère, ils prennent même pas en considération de faire 3 strikes, hein. Des fois, c'est hop, dégage, tout de suite. C'est Après, ce qui arrive sur ceux qui font Sun and Moon, hein. je trouve ça normal, moi, honnêtement. Oui. Que Nintendo, Square Enix, Konami et d'autres, bah, ils protègent leur bien, ça c'est normal. Bah ça reste C'est très les normal. propriétaires des droits, ça, c'est Voilà, normal. c'est pour ça que moi, si je vois, pardon, j'ai un droit d'auteur de Nintendo, je me dis, bah, je vais pas contester, c'est normal. Ils sont gentils déjà de m'autoriser à faire le truc. Il y a une fois, j'ai essayé de... Sur une chaîne ancienne YouTube, vraiment, j'avais un copyright de Square Enix, hein. Ouais. J'ai contesté. Qu'est-ce que j'ai eu 5 minutes plus tard? Un strike. Voilà. Ah! Mais Square Enix, Tu vois? ils sont très très durs aussi avec les droits d'auteur. Eux, je pense qu'ils sont... Pendant un Kingdom Hearts, il faut pas mettre les musiques d'intro, ni les... Parce que là, ils sont très très méchants, les... Square Enix. Oui, c'est pour ça que lors de mon épisode final de Crisis Core, c'est passé crème, hein, le truc. Tu vois, la musique... Oui. Allez, quand Zack, il monte Ouais, au ciel, là, bon, voilà. je vois à peu près. Tu vois la musique chantée, là, tout ça? Ça, La musique c'est une chantée, oui. musique, oui. Ça, généralement, j'ai de la chance que ce soit passé, tu vois. Vraiment. Bah oui, parce que... Ils ont juste dit, ah, on monétise à ta place. Bon, on monétise... Oui, Je mais monétise pas mes ça, c'est vidéos, là, normal. ici, sur cette chaîne, hein, de toute façon. Ouais, mais ça, c'est normal, je trouve, ça, Mais personnellement. voilà. Hop. Maintenant, c'est le dernier stage, si j'ai bien compris. Moi, c'est ce qu'ils me font tous. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont fait aussi sur l'intro de 3D BBS, que j'ai fait sur PC. Mais ça, c'est normal, je trouve, Oui. personnellement. Moi, j'ai même pas Moi, ça me essayé donne. de laisser l'intro de BBS, hein, dans ma vidéo. Ah, bah, moi, je l'ai laissé, c'est passé, tu vois. Hop, je pense qu'on va le tuer. Mais tu vois, moi, ça me paraît, mais Boum! normal, tout à fait normal que les auteurs, bah, que tout ça, Moi, je ils prennent trouve de que l'argent. maintenant, ils sont moins tatillons à ce niveau-là. Parce que, disons qu'il y a 2-3 ans, bah, si, disons, des fois, ils te prévenaient même pas, en fait. Tu vois? Je veux Mais... dire, ils te laissaient même pas un aperçu. Ah, fais attention, t'as un copyright, tout ça. Et Avant, ils envoient un mail. disons qu'ils t'envoyaient même pas de mail. Hein, ils te laissent genre ta vidéo 2 mois comme ça, hein, et hop, directement en strike. Tu dis, Mais c'est pour... what? Tu m'as même pas laissé d'avertissement. Je m'en fous, Mais... strike. C'est pas... Tu vois? Je dirais pas moins intelligent, mais maintenant je trouve qu'ils sont plus dans la pédagogie. Sont Attention, plus là t'as... logiques. Voilà, Voilà. là on monétise à ta place, donc t'as pas le droit de monétiser la vidéo, c'est normal Voilà, d'ailleurs. maintenant laisse tanker. Même si Ouh, c'est... il vient de faire un Oui, il super. fait mal, lui. Ouh. Même si ça Écosse. fait... Tu vois, même s'il monétise 1 minute de la vidéo, t'as pas le droit de monétiser la vidéo, ce qui est Allez. normal. Ah. Mais, et après par contre, à mon avis, si tu te fous, tu les contestes, là, ils disent, ah, tu nous contestes? Ah, tu veux jouer au con avec nous? Eh ben, on va jouer au con aussi. Voilà, putain, c'était bien passé. Mais moi, je trouve ça normal. Oui, oui. Moi, ça me choque Bah, pas du tout. ils sont plus dans une logique de loi, de copyright et de titulaire Voilà. de droit, quoi. Voilà.
Alors Et si qu'avant, t'achètes... je trouve que c'était vachement tatillon, hein, il y a 2-3 ans. Vraiment, Mais c'est pour ça... c'était chaud. C'est pour ça qu'ils disent... Oui, tu... bon, t'achètes ça, mais... C'est les règles du jeu. T'achètes... Tu achètes les règles du jeu? Eh ben, tranquille, on va pas t'emmerder, tu fais ta vie, voilà. Ouais. Je sais pas si les gens entendent bien le son du jeu par contre. Ça... Ah, Ouais, j'aurais dû le dire vraiment au début, pas carrément à la fin du mode arcade. Je pense que oui, je pense que oui. Je pense que ça devrait aller. Oui, on l'entend un peu quand même. Ça va. Faudrait que je monte un peu le son peut-être. Un tout petit peu, ouais, quand même, parce que les voix sont un peu fort. D'accord. Et... Oh, là, ça sent le beau signal. Ouais, et voilà, c'est... Ce qu'on voit que l'empêche là maintenant ceux qui râlent parce qu'ils disent ouais j'ai un droit d'auteur sur une musique comme ça, mais arrêtez de râler. Oh, bien stylé, waouh, bien stylé ça. Vous pouvez faire le jeu que vous voulez. Râlez pas. Ouais, maintenant c'est tranquille, j'hésite même à me lancer sur Symphony of the Night. Oula merde, un peu trop fort là par contre. Ah bah ça c'est pas. Ah. Ah oui, là c'est un peu fort là. Mais Symphony of the Night, ça va. Oui, ça va. Mais... Ah bon... Après, ouais, si vous voulez pas tes vidéos... Mais voilà, maintenant, tu vois, j'essaie de vraiment lancer sur Symphony of the Night parce que je me dis, ils sont moins durs qu'avant. Donc, est-ce que Konami sera vraiment gentil à ce niveau-là? On verra notre Orochimaru. Ah ouais, c'est vrai. Mais, la DZ. Ouais, moi, sur mes vidéos de Castlevania, j'ai fait. Et j'avais eu des avertissements des droits d'auteur, mais j'avais regardé, je m'étais renseigné, et en fait t'avais vu que ceux qui avaient mis les droits d'auteur, c'était des gens à qui le son n'appartenait pas. Putain, et tu vois, spam. Et au final... Les gars, hein, regardez, il me spam. Attends, c'est un enculé. Oui, donc on lance les personnages, là. Et toi, mais... j'ai pas eu de problème avec ton ami. Ah, mais tant mieux. Ouais, je me mais pas. Il spam la même attaque. Mais c'est un enculé. Bah, c'est un boss final. Oh, ah ouais. Lolo. Ah bah, mais attends, il est sérieux. Tu peux rien faire. Mais attends, tu peux rien faire là. Mais c'est quoi ça? Mais... Regardez-le. Attends, tu ne peux rien faire, excusez-moi. Allez, je tente une super dans la gueule. Oh. Non mais attends, tu relèves, il te fait l'attaque. Non mais... Alors non, je mais, sais non, qu'il y a mais, des... Ah. Putain mais... Et il fait la même attaque, je te jure. Eh oui. Putain, eh oui, mais comment ça, il me cancelle pendant mon attaque? C'est n'importe quoi. Non mais attends, Clem, il t'enseigne à... Non, c'est pas... C'est un peu dommage ça par contre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de boss finaux, hein. Et il a voulu relancer dans mon super, hein, c'est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de boss finaux de combat qui sont vraiment chiants. Mais là, excuse-moi, c'est spammer la même attaque, c'est pas fun. Ouais, on ne fait pas fun, c'est pas en boss fun. Il te ferait des combos de malade, là je suis d'accord, hein. Mais toujours... la même super truc. Vitesse, Hein, moi je dis une chose, arrêter, ce boss, tu sais à qui me fait penser ce boss? Dis. Un seul port de Demix. Ah ouais. C'est Demix numéro 2, putain! Il refait... Alors j'ai compris là, comment le battre, hein, faut esquiver sa première attaque et puis c'est bon quoi. Là t'as un round pour chacun là. Ça, j'ai compris comment le battre. Oh putain, j'ai enchaîné ma super! Alors, je vous lis après dans le chat. Attends, moi j'ai 14 vidéos qui sont... Ils sont presque 500 vidéos qui sont soumis en droit d'auteur. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est... Voilà. Bien fait. Il t'a pris par derrière, il t'a pris ton pied. J'ai bien aimé lancer sa main super et que mon partenaire vienne le réceptionner, quoi. C'était pas mal, ça. Pour une fois, tu as des partenaires intelligents. Voilà. Harry Potter 4. Alors, ah non, mais... Ça doit être bon. Si vous regardez mon espèce de Pokémon de Harry Potter 4, vous comprendrez pourquoi je lis les partenaires d'Harry Potter 4. T'es sûr? Je pense que c'est le jeu où les partenaires sont les plus cons au monde. Honnêtement. Il y a de quoi. C'est... Voilà, putain. Eh ben, le premier round, j'ai eu peur, hein. Oui, mais il est pas passé comme boss, hein. Et c'est bah, à toi. Tu sais, il faut juste, comment te dire, esquiver vraiment son assaut, là, habituel. Ouais. Après, tu lances un bon combo avec Ron, t'appelles ton partenaire, et voilà, quoi. Et le problème, à tout coup de drift. Ah, quelques mots de latin. Ah, ça reste. Ah bah, c'est pas facile. Rola. Voilà. Rose, lupus, midi. Voilà. Fais-nous une prière en latin de Dacere et Adel. Ah, oula. Icaïu, Noki, Chole, Lulus, Toki.
Voilà. Ah, même Driss a dit la même chose que moi. Ikalunoki Chomenunostoki. Voilà. voilà. Ah, c'est pas mal. Driss, il a dit Orochimaru Samurai. Je connais les prières de Reiner de Parker. Mais bon. Bah, moi, je connais la prière de Vika. Voilà. Voilà, donc Samurai de Parker, c'était vraiment pas mal du tout. Vraiment. Ah, et ce mandat ne m'a jamais attiré, moi, personnellement. Attends, il y a encore un combat? Ah, bah oui, peut-être. Attends. Fais voir. Ouh, yeah. J'ai l'impression. Excusez-moi. Et... Oh, ça sent comme un final, ça. Allez, allons-y. The Decisive et... Battle. Moi, les gens, je dis une chose, les gens de Hades. Si le bat, je... Oh, ton jumeau. Si le bat, si tu fasses le même truc que moi quand j'ai battu Demix. One head. Mais t'es fou, toi. Ah, par contre, on a pas partenaire. Allez. Y'a. Non, parce que mon ordinateur m'a fait un petit peur. C'est pour ça. Ouluchi. Y'a. Ah, ouais, oui, bah, excuse-moi, l'ordinateur fait des peurs. Il fait des peurs. Vous entendez? Ah, jumeau, il fait des peurs. Y'a. Pourquoi tu combats ton jumeau? Regardez. Habujink. Ibus. Voilà. Oh, j'ai failli réceptionner. Vendredi, les Pokémon. Je vais pouvoir choisir tout le monde dans les Alors voilà, je voulais discuter vraiment avec vous d'un sujet également. Bon, okay. Moi j'ai mon avis hein, sur ceux qui font des let's play sur Pokémon, tout ça. Et vous, quel est votre avis sur ces gens? Que c'est des connards. Alors, à savoir que à partir d'aujourd'hui, j'ai vu que ça s'arrêtait pas qu'à faire des let's play. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui volent des vidéos, qui ont aucune race. C'est quand même malade. Hein. Oh oui. Ah oui, moi, je me rappelle. Il était très beau d'ailleurs. Oh, yeah. Il était très bien qu'on a dû faire un perfect. Arrête de te défendre. Je vais te pourfendre. Je vais te pourfendre ta gueule. Voilà, j'ai fait un perfect. Parfait. Perfect Dark. Hey, on veut ton cri de Tom de l'évacuer. Oh oui. Oh oui. Oh mon dieu. Oh oui. C'est surtout qu'en plus, à ce moment-là, vous parlez de ce sérieux, je sais plus quoi. Et moi, je sors ça. Oh ouais. Surtout qu'il y a 10 minutes plus tôt, il avait dit. Ouais. Bon, c'est un connard, bordel. Mmh. Ah ouais. Il y a la version data de DMX. Elle existe. Non, mais One a dit que t'avais pas le droit de le faire, donc je le fais pas. Ah, salut Vincent. Oh, ça bug Twitch, oh là là là. Quel horreur. Vincent, les Pokémon vendredi. Ah mais moi, il est content. Écoutez-le. Ouais. Mais Vincent, ça bug pas parce que... Est-ce que ça bug parce que tu fais un long upload aussi? C'est probable, c'est probable. Plus avec le PC que tu as... Ou alors c'est la connexion. Je sais pas. Non, c'est la connexion parce que il fait. Rappelle-toi qu'il fait son upload sur le PC portable. Mmh. Et ouais, il prend le PC fixe pour. Oh, magnifique image. Il fait son avec le PC fixe pour regarder des vidéos YouTube et tout ça pour être tranquille sur l'ordinateur. Et Wayne n'hésite pas à parler aussi. N'hésite pas à parler. Ouais, mais Wayne il est concentré. Donc c'est pas le problème, il est concentré. Mais je pense, oui. Vincent, je pense le plus bug parce que t'as l'upload. Non, pas l'upload. Voilà. Oh non, par une des récimateurs, ne sortez pas ça. Ah non, non, oh là là, c'est tellement une solution de facilité, ça, sur YouTube, ce truc. Ouais, et puis je crois que c'est interdit sur YouTube, non? C'est interdit sur Twitch, oui. Oui, voilà, C'est interdit de live. Ouais, bon, heureusement. Samurai Deeple Kyo. Voilà, on a fini. Ah, c'était cool. Vous me verrez sur Hades Simulator. Non. Ah, mais le put Lévi, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau, ouais. Yeah, il est là. Et yeah maintenant, Wayne. Wayne. Tu es le meilleur des Wayne. Alors oui, je voulais vous partager une information relative à Final Fantasy XV. Alors, je réfléchissais grandement à en faire vraiment un let's play, découverte avec vous, partager mon expérience en travers avec vous, vraiment en live. Mais au final,
Alors je me suis dit au début, oh je vais faire égoïste, tout ça, gna gna, hein. Au final, je me dis que c'est pas plus mal que je le finisse moi-même, avant d'en faire un let's play après. Je peux te donner mon avis? Oui. Je pense que t'as fait le très bon choix parce que tu c'est comme s'il est avec Xenoblade Chronicles, il voulait le faire en découverte avec nous, mais il a vu qu'il pouvait il n'avait pas profité de ça, de ce lieu, et donc il a préféré annuler. Et je pense que c'est très bon. Oui, il faut le vraiment, faire. Je veux vraiment le déguster à ma plus grande saveur de mon côté en fait, tu vois. Parce que vraiment c'est un jeu que j'attends, bah. Je veux dire, depuis le premier thriller de Versus 13, hein, ça remonte à 10 ans. Ça fait longtemps encore. Et ouais, c'est sûrement à cause de ton upload de Vincent. Et pourquoi Ultimate Weapon? Eh bien, tout simplement parce que je suis un gros fan de mecha. Et je trouve que Ultimate Weapon, c'est vraiment le gros nom. Hein. Et il faut dire, dans Final Fantasy X, il y a une créature qui s'appelle comme ça. Et disons que franchement j'ai de bons souvenirs avec cette créature, c'était vraiment des combats épiques tout ça. Et ça m'a un peu inspiré. Et surtout que Final Fantasy X, c'est un putain de bon jeu. Je l'ai bien aimé. Oh, il a aimé un jeu. Tu vois toi? C'est quoi ça? Non, c'était tellement con. Oh, ah, non. Non, mais ça... oh non, ça Wayne, ça... j'aurais pas le courage. Franchement. Non mais t'inquiète pas, Vincent, moi aussi j'ai des problèmes avec tout ce radio parallèle, donc là ce soir ça va assez bien. Donc, alors oui pour Vincent, peut-être n'hésite pas à dire que je coupe le live et que je relance. Hein, parce que... Ouais, peut-être que ça, ouais, ça passera mieux quand je relancerai le live. C'est jamais. Ouais, toi là c'est moi, c'est mon. Là ça me trolle. Là c'est l'ordinateur qui me trolle un peu, donc. Non mais t'es pas pour ça. Pas de soucis, mon Vincent, pas de soucis. Bon, très bien, tu es KO. Okay. Non mais c'est rien, mon Vincent, t'inquiète, t'inquiète. Ça se comprend. Une bonne journée de boulot, tout ça, généralement, ça crève bien. Surtout que demain, je reprends, alors... C'est quelque chose, donc allez. Un bruit, en vrai, à mon avis, ça vient de Pokémon Saphir. Alors, je vais changer tout de suite de jeu. Alors, ce jeu, Samurai des Perkios, c'était vraiment bien sympa. Maintenant, on va passer à un jeu, je sais pas si on va s'amuser autant. Mais enfin bon, je vais découvrir avec vous. Allez, voilà. À tout de suite. À tout de suite, le...